jeudi 3 mai. Excellence, M. le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Madame la rectrice de l'IPN à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Les grands chanceliers des universités et instituts supérieurs avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable président de l'Assemblée générale, messieurs les premiers ministres, chefs du gouvernement, mesdames et messieurs, les ministres, membres du gouvernement, messieurs les gouverneurs de la ville province de Kinshasa, messieurs les secrétaires généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, mesdames et messieurs, les généraux et officiers supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale et des institutions sœurs, messieurs les bourgmestres de la commune d'Engaliema, mesdames et messieurs les doyens des facultés, directeurs des centres de recherche et chefs de département, messieurs les présidents des corporations, messieurs les directeurs généraux des SDM Africa Solutions, Yeah.
Excellence, c'est du lourd, c'est du béton. Servir le bon cadre d'études aux étudiants de l'Université pédagogique nationale.
c'est des promesses à plus cher aujourd'hui. En effet, il me soit permis au nom des étudiants de l'Université pédagogique nationale que je représente de réitérer en notre très haute personnalité notre soutien indéfectible à vos actions. Vous êtes un bon père qui s'est placé à leur place et dans son vie. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Pour cette opportunité vous accorder, nous voudrions vous supplier, Monsieur le Président, en votre qualité, non seulement parent de la nation, mais aussi et surtout et grand chancelier des institutions, à vous pencher sur les revendications de nos professeurs qui sont aussi vos parents. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes tous du moment qui sont les revendications, qui sont les gens. Monsieur le Président, en votre qualité, et non seulement parent de la nation, mais aussi et surtout le grand chancelier de l'institution, à vous pencher sur les revendications légitimes. Enfin, de mettre définitivement fait à la grève sèche qui essaie de pénaliser les activités académiques au sein de notre très chère université. Ce qui pourra permettre de bénéficier d'un enseignement de qualité dans le beau bâtiment qui sont en construction de ces événements. Nous implorons pour une solution en l'air parfait. Nous voudrions ici saluer l'accompagnement de M. le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire durant les travaux, car il a maintenu sa présence aux côtés du comité de gestion qui dirige la TICNE et professeur ordinaire Anastasie Mansala Makonda. Rectrice et TV, nous appelons toute la communauté universitaire à prêter main forte à ce comité de gestion qui a fait la lutte contre les anti-valeurs sur le chemin de la guerre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'occasion ne s'y presse pour exprimer le problème que ronge la communauté universitaire. Ainsi, nous sollicitons par cette tribune une audience auprès de votre très chère autorité universitaire. Afin de nous permettre de présenter les débuts problèmes qui perturbent les enseignements au sein de notre alma mater. Nous ne pouvons clore ces mots sans confirmer que ces ouvrages en construction du matériau durable incarnent véritablement les grands paysans. Et nous remercions les dix de nous avoir comme président de la République. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur de la terre, que vive la communauté.
public qui vous écoute. J'affirme que s'il part de ce programme d'action, le nom du chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo restera inscrit à l'état d'or dans les annales de l'enseignement supérieur universitaire. Car, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu, depuis la création de nos trois premières universités et autres établissements, un programme national de réhabilitation et de construction abouti de cette avenue. En effet, et que la communauté universitaire puisse profiter de ce joyau que vous avez mis à leur disposition, jeudi, et je vous remercie. Donc, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a procédé à l'inauguration des offices à la coupe. Thank you.
téléphone. Hein. Ici, on a déposé, on va juste poursuivre. Ça, c'est un nouveau bâtiment. Chef. À ma gauche, derrière, 164 étudiants. Donc, ils auront juste à ramener les valises, il y a tout dedans. Et le travail a été fait correctement? Le travail a été fait dans les standards internationaux. Vous allez voir qu'il y a des escaliers de secours, il y a des extincteurs, il y a les lifts qui sont gratuits, il n'y a rien à dire. Il y a un ascenseur. Avant, ça ne marchait pas, ça fait au moins plus d'une centaine d'années que l'ascenseur ne fonctionnait pas. La pression est énorme. Et le bâtiment de F3, on n'est pas obligé de mettre la pression, il n'y a pas la pression. Ils ont la bienvenue, ils ont les self-service, donc ils n'ont pas besoin de manger dans les chambres. Tout ce prévu, c'est une cantine pour manger à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Les étudiants, les habitants, l'économie de gestion, c'est important. Maintenant, on a dans les 24 ans, on a dit que mais là, comme tout ce jour, je vous fais que la n'a pas qu'il y a vu le message, j'ai aussi que c'est un homme comme un autre, qui souffre dans ma tombe. Après, je vous en ai fait bien que la révélée n'a pas qu'à mon âme. Vraiment, c'est qui est la fin. Je vous en ai fait le cas comme ça, au moins, on a évré à vous continuer dans l'eau. Après, on a tout vraiment, on a éducation, il y a Congo, il y a plus forte raison qu'on a pour réussir le sujet. Le jour, il y a éducation, il y a l'éducation. Ok, merci beaucoup.